Salut, très chers amis africains. Je réponds au nom de Daniel Lebrun Ziada, étudiant centrafricain résident à CETAT, et je suis le président de l'association LAEGEA, qui est une association des étudiants entrepreneurs pour l'émergence de la jeunesse africaine, qui a pour but non lucratif. Et déjà, le but de l'association qu'on a mis en place, c'est pour sensibiliser les étudiants aux opportunités entrepreneuriales et de les informer sur les différentes stratégies afin qu'ils puissent devenir financièrement indépendants. Alors, le but de notre activité, c'est pour accueillir des nouveaux étudiants et de les orienter sur la vision entrepreneuriale. Alors, nous avons passé 2 jours de l'activité que la finale c'est aujourd'hui. Déjà hier, on a pu passer à une journée sportive qui est dédiée à des activités sportives où laquelle on a eu 8 communautés qui ont participé avec, et je profite également pour féliciter les finalistes. Et aujourd'hui, nous sommes à la journée officielle qui est dédiée au concours des prestations, des exposés et aussi des exposés sur e-commerce, business management, et etc. Et aussi, c'est un moment de partage, de fraternité et de changement d'idées où laquelle je trouve vraiment important. Alors, le but de cette activité, c'est pour orienter nos nouveaux étudiants, comme je viens de le dire, dans le domaine entrepreneurial. Et hormis de ça, nous sommes en train de voir avec l'agence ANAPEC pour pouvoir organiser une semaine où laquelle on va le passer dans le cadre administratif. Alors, pour en finir en beauté, comme vous pouvez le constater, l'Afrique, le niveau où se trouve l'Afrique, en fait, a besoin des jeunes dynamiques, des jeunes désireux qui peuvent faire face aux contraintes où se trouve l'Afrique à présent. Donc, nous avons constaté que pas mal des étudiants attendaient d'avoir fini leurs études, retourner au pays, travailler dans des grandes entreprises, travailler dans des administrations. Il y a l'entrepreneuriat qui existe et qui est mis de côté. Donc, il faudrait qu'on puisse se lever dès maintenant, les mains dans la main, pour pouvoir combattre le sous-emploi, pour amener l'Afrique là où il se mérite. Et enfin, je profite de ce temps de parole pour remercier le Majesté du Royaume du Maroc d'avoir nous donné l'opportunité de réaliser ce bel projet. Et aussi, je remercie l'Université Hassan Ier pour le support, pour apport, pour le financement, et aussi la faculté de droit d'avoir nous accordé à procéder à cette journée. Et je remercie également nos partenaires donc, qui nous seraient importants, l'IFPS, qui est l'Institut de la formation paramédicale privée de CETAT, et aussi le centre d'orientation et l'ANAPEC universitaire, et en passant École Polytechnique. Je vous remercie. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.